Comment tu vas, mon frère Eritchebi? Comment tu vas, Souraï Kim? Pompée. Voilà. J'espère que vous allez bien. Frotomou, Frotodere. Partagez, invité, parce qu'on va, casser. Yves, Olivier, comment tu vas? Quand nous avons les papous à casser, on casse tout. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les Jérémiades. Alors, dans notre dynamique de communication, dans ce que nous faisons, comment tu vas, Dedraman? Parce que l'autre que tu as dit là, c'est pas bon. Dedraman, comment tu vas? Dans notre dynamique de communication et dans notre clarté, nous sommes maintenant à 3 mois de combat titanesque de communication face à la manipulation, au trancage, au mensonge. Ça salue l'aide de Kibafouri, au mensonge. Sandrine, tu regardes de quoi tu fais là? Sandrine, là, c'est quoi Sandrine là? Parfois, évite ton truc de promotion là, s'il te plaît. Merci. Mais je ne vais pas te bloquer, donc faut pas. Sandrine, quelque chose là. Partagez, invitez. Nous avons un pacte de partage et moi je parle. Vous partagez, moi je parle. Vous partagez, moi je frappe. Donc, allez à pomper, à pomper, à pomper, pomper! Voilà. Alors, nous avons des rebondissements que nous allons ici mettre à votre disposition. C'est important. Cela fait maintenant 3 mois que nous sommes en train de communiquer sur ce dossier rocambolesque digne d'un film de mercenariat. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens afin de pouvoir expliquer et mettre à la connaissance de tous ce qui ne va pas et ce que les non-dits. Ils ont voulu nous confondre à travers les mensonges. J'aimerais saluer ici l'objectivité et toutes ces personnes-là qui refusent les mensonges et honteux que l'on veut nous vendre et que l'on veut, que l'on accepte et qu'on avale on boit le calice jusqu'à la lit de la manipulation. Niamke Kadjo, le Gangaba, tous mes respects. Béni de Dieu, j'aime Toba, tous mes respects. Alors, c'est dans cette dynamique que nous sommes qu'aujourd'hui, votre frappeur, le B52, le Frotomugu, le Korogbemui, Katosa Fekadumakolo, Katosa Fekolo, je viens encore ici vous recommander de ne pas vous laisser distraire, Fatou Doukouré, par la manipulation. De ne pas laisser, de vous laisser pas distraire. Et j'ai dit ici avant-hier, j'ai fait une vidéo, c'était le dimanche, j'ai dit ces mercenaires seront jugés. Parce que ces personnes-là, quand on leur parle, comme c'est des animaux, voilà, sans queue, c'est des dromadaires et des chameaux, des moutons pour certains, ils ne comprennent pas. Nous avons commencé cette communication pour dire que Alassane Ouattara dit il faut laisser la justice faire son travail. Maman Ena Keita, il a dit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas tordre le cou à la justice malienne. On ne peut pas jeter de pas du discrédit sur la justice malienne en libérant des mercenaires. Je dis bien des mercenaires. Je ne pèse pas les mots. J'affirme qu'il y a des mercenaires. Parce qu'il n'y a pas autre appellation à part mercenaires. Ça, nous l'avons déjà démontré. Les acrobaties et les... Partagez la vidéo. Quand j'aime le gourou, tout me respecte. Partagez la vidéo. Nous sommes actuellement à 200 partages. Donc partagez la vidéo. Partagez et invitez. Partagez et invitez. Alors, frères et sœurs, la CDAO est taiseuse. Parce que, effectivement, ils sont au courant que les personnes qui sont au Mali, David, il y a des mercenaires parmi eux. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a des étrangers dedans. Je reprends. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, là, il y a des étrangers dedans. Paix à son âme, Ambak l'avait dit ici. Ahmed Bakayoko avait dit ça ici, non? Vrai ou faux? Dans l'armée de Côte d'Ivoire, là, il y a des étrangers à l'intérieur. Et ceux qui sont au Mali, là, qui ont été arrêtés, là, il y a également des mercenaires parmi eux. Tout a commencé, il y a de cela 3 mois. Tout a commencé, il y a de cela 3 mois. N'oubliez pas. Tout a commencé, il y a de cela 3 mois. Quand un avion en provenance de la Côte d'Ivoire, rempli de soldats, 49 soldats,
Sans oublier, l'autre avion rempli d'armes atterrit à Bamako. Ces individus sont mis aux arrêts. Les autorités de Côte d'Ivoire sont informées afin de pouvoir leur demander à savoir si la présence de ces mercenaires, de ces personnes sur le territoire malien. La réponse n'a pas été claire. L'ONU a été saisie pour savoir que font ces personnes sur le territoire malien. Souvenez-vous, le régime de Ouattara n'a pas reconnu les soldats là auparavant. Souvenez-vous, ils n'ont pas été reconnus. Et quand ils sont sortis 2 jours plus tard, ils se sont fendus dans un communiqué laconique en disant que ils sont partis, n'est-ce pas, sous la bannière de l'ONU. Partagez la vidéo. Alors, l'ONU a dit non, qu'ils ne les reconnaissent pas, ni la NSE. C'est important. Avant de continuer ma vidéo, j'aimerais m'arrêter là pour m'adresser à une jeune sœur, à Willow. Tous mes respects. À une jeune sœur que vous connaissez sur la toile. On l'appelle Maïmouna Camara, dit la guêpe. La guêpe est une jeune sœur à moi. C'est une camarade de lutte. Cette lutte que nous menons depuis des années, nous menons ensemble fidèlement pour l'émancipation, la liberté, la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons vu sur la toile hier les charognards, les obscénés sexuels du RDR se masturber sur un montage grotesque affirmant que la guêpe, n'est-ce pas, était dans un débat sexuel. Voyez-vous, ces personnes, n'est-ce pas, ils sont bas plus que la poubelle. Ils sont sales plus que le fond de la poubelle. Voici des gens qui passent leur temps dans les dessous à fouiller pour savoir ce qu'on va fouiller. Alors que chacun son caleçon. Chacun sa vie de couple. Chacun là a sa go. Chacun son gars. Donc entre quatre murs, chacun se bouait. Chacun se mourou entre quatre murs. Vous-même là, c'est-à-dire que vous êtes des voyeurs. Vous vous cachez pour aller garder votre camarade pour mourou. Vous partez faire un montage, ajouter sa photo et venir publier. C'est ça le combat politique, ça là. C'est ça le combat politique que l'on vous a appris au RDR. J'ai dit merci au bon Dieu d'avoir quitté ce parti de minables, de misérables. Un parti de minables et de misérables. Merci au bon Dieu d'avoir permis de quitter ces malades mentaux, ces pervers, narcissiques, sexuels. Oui? C'est pervers. Voici la politique qu'on les apprend. Des gens qui sont au pouvoir, ils passent leur temps à mentir. Un, les soldats ivoiriens ont été libérés. Alerte, alerte, urgent, urgent. Ils ont fait des vidéos ici pour dire que l'avion était au Togo. C'était faux. Ils passent le temps à pomper, à polluer l'air des mensonges et des désinformations. Alors, on a vu que c'était faux. Ils vont faire encore un montage. La guêpe et puis publie. Et bon, nous on a qu'à faire quoi ça? Est-ce que votre est Mougoupa? Est-ce que votre ministre est Mougoupa? C'est dans cette même dynamique là. Vous avez un jour accusé le président Guillaume Soro avec Afoussi Bamba. Et quand il s'est sorti, j'ai étalé tous les Mougoupandeurs, tous ceux qui se baisent, qui se Mougou dans votre gouvernement. J'ai exposé tout. Souvenez-vous, quand vous avez commencé, j'étais avec Guillaume Soro et ma mère Afoussi. En disant que Afoussi était enceinte. Souvenez-vous de cela. Parce que vous n'avez rien de profond en communication que la bassesse. J'étais obligé de sortir et d'étaler. Qui baisse avec qui? Mon Touré Mougouki. Et comment dirais-je? Raymond Goudou Kofi Mougouki. Ben, comment dirais-je? Vos gars là. J'ai tout exposé ici. La vidéo encore sur Facebook. Alors, moi, je vous demande ici de former vos activistes parce qu'ils sont trop nuls. Les activistes les plus nuls d'Afrique sont les militants de Ouattara. Les activistes les plus nuls, misérables en information, pauvres en information, sont les militants de Ouattara. Ils n'ont rien, ils ne connaissent rien en activisme. Les plus misérables, les perdus dans toute l'Afrique, là, vraiment dans le, au monde, là, les activistes les plus nuls, c'est vous. Je tenais ici à apporter un soutien indéfectible à la guêpe, victime encore d'une cabale de ces abrutis
de ces illettrés, de ces enfoirés, de ces égarés. Un montage grotesque, parce que ce n'est pas elle. Allez encore chercher. Même si vous envoyez une vidéo porno, ou un mougou là. Donc, ah, ça veut dire que vous l'aimez beaucoup, hein. Jusqu'à il y en a même qui vont taper Aoko. Si une photo de la guêpe, hier ils ont tapé Aoko dessus. Tellement que c'est des pervers. Ils ont tapé Aoko sur une photo là, qu'ils ont fait un même montage. Des pères de famille irresponsables, des hommes indignes. Voici des gens qui sont des pères de famille, des mères de famille, qui viennent publier des conneries. Et puis ils sont fiers. Et puis ils sont fiers. C'est ça le combat du RDR. Des mères de famille qui se mougou chaque nuit. Que les gens font les écartements. Écartent ça. Du coup, il n'y a pas reste. Viennent encore regarder une femme dans un film. Des pères de famille. Des testiculaires. Merci beaucoup, les étoiles, esprit. Viennent encore se masturber sur une photo. Mais vous êtes pervers. Vous êtes malade. Vous êtes malade, c'est tout. Parce que ça ne va rien enlever. Notre amour pour la guêpe. Ça ne va rien changer. Notre amour pour elle. Parce qu'elle pique fort. Elle frappe dur. Alors, la guêpe. Ici, hein. Si tu sors, tu frappes, tu tapes. Fais encore un peu d'effort. À l'âme, tu tapes. Quand tu sors, tu chicotes Ouattara. Tu chicotes tout son gouvernement. Il va dire. Ça veut dire que tu frappes Dieu. Continue de frapper comme ça très fort. Il faut être sans pitié pour ce dromadaire et ce chameau. Ça là, j'étais intime ici. À partir d'aujourd'hui, faut plus doser. Il y a Soussou. Bande d'enfoirés. Alors, tu as mon soutien. Et tu as le soutien de tous les patriotes, de tous les panafricains, de tous les Ivoiriens, partout. Parce qu'ils savent que cela, c'est des sexistes. C'est des sexistes. Tellement qu'ils veulent t'humilier, ils veulent faire des montages. C'est des sexistes. Alors, tu as le soutien de bande de Togboumi. À tes cheveux, bande d'enfoirés. Alors, partagez une bande d'analphabètes chroniques, congénitales. Nous, on l'aime comme ça. Même si la guêpe est comme nous, on l'aime comme ça. Nous, on s'en gaba de ça. Même si elle sort avec Macron, nous, on s'en gaba de ça. OK? Même si elle sort avec un charbonnier, nous, on s'en gaba de ça. C'est vous, des misérables, matin, midi, soir. Ceux de Paris sont avec telle femme. Ceux de Paris sont, ils habitent dans tel coin. Ils sont, ses enfants sont comme si, des misérables. Ils passent le temps à regarder la vie des autres. Tous les jours, ils font des vidéos ici. Sur le sang avec tant. Oui, c'est pas ici un bel homme. Et vous, des vilains garçons comme ça là. Des misérables comme ça. Et c'est un bel homme, élégant. 1m90, joli garçon, frais. Enfoiré. Ils sont jaloux. Ceux de Paris, il a le go, hein. Il a tel go. Il sait tel. Mais c'est pas ici un million garçon. Ou bien, à tes cheveux. Même ta propre femme, votre goût là, j'arrête ça. C'est mes voix là, j'arrête ça en même temps. Le million. Bande d'enfoirés, de vieux garçons comme ça là. Cachez vos femmes. Mais c'est mes voix là, elles vont vous quitter. La beauté de ça, la mignonne de ça. Faut me dire, quel est le million garçon au RDR? Il n'y en a pas? Il n'y a pas joli garçon là-bas? Mettez-vous, alignez-vous, comme des cobayes. Les activistes du RDR, il n'y a pas joli garçon dedans. Mais il faut prendre les activistes là, de l'opposition. Il faut prendre GPS. Il faut mettre Amira Bende. Il faut mettre le CENI. Il faut mettre Fédéral Oko. Il faut mettre Dumia Soussou. Mais Ibra. Mais les garçons, c'est les millions de garçons. Des gens à la peau mat, ils sont propres. Et puis ils s'habillent bien. Mais vous, dans votre pouvoir, vous êtes sales comme des porcs. Sales comme des cochons, des porcins. Ok? Vous êtes trop sale. Vous voulez un seul activiste de Guillaume Soro. Vous tous, il vous bat. Sagacité, vous bat. Beauté, vous bat. Élégance, il vous bat. Fraîcheur, il vous bat. Vous tous, alignés, cotisés, coalisés. Bande d'enfoirés comme ça, là. On y va. Alors, la guêpe, c'est pour toi.
Voilà, faut le dire. S'ils sont trop beaux là, qui dit va draguer go, j'ai arraché tous les go là. Même s'ils sont sans, je prends tout ça. En temps, et puis ça ne sort pas. Ce n'est pas un médicament, hein. C'est bogosité, puis chantier, bon cœur. Et puis j'ai le feeling. Un sapologue, le fantôme, le boumoui, million garçons, l'homme à la lèvre rose. À croquer ça. Quand tu vois ta vie de manger ça, bonbon sucré, le bonbon alcoolisé des femmes, c'est moi, les plaisanteurs comme ça, la bande de guignols. On m'a douce qu'à tous mes respects. Bande de guignols. Quand vous le voyez, vous le voyez en comment? Vous le voyez en comment? Quand tu vois Kossi Papa Nicolo, quand tu vois les gars, quand, vous le voyez en comment? Un million de garçons. À bon danger! Pompé! Voilà, c'est parti. Alors, frères et sœurs, ce soir, je viens ici en patelon. Au Mali, là, ceux qui sont là-bas sont des mercenaires. RFI avait dit au départ, personne n'a écouté. RFI a fait enquête, personne n'a écouté. RFI dit, d'après des sources, il y a des Libériens, il y a des Sierra Leonais parmi les soldats qui sont encore au Mali. RFI dit qu'il y a des Libériens, il y a des Sierra Leonais qui sont parmi les soldats qui sont au Mali. C'est important. Demain, je suis le Gangaba, le sapologue. Donc, ça sera premier. On va ici écouter LFI. C'est parti. Écoutez, si LFI nous parle, parmi les soldats qui sont au Mali, il y a, selon des sources, écoutez, c'est parti, écoutez. Plusieurs sources proches de la partie malienne et des médiations en cours, le colonel Assimi Goïta aurait validé le principe d'une libération. Mais pas forcément immédiate. Selon ses sources, les 46 soldats ivoiriens toujours détenus à Bamako et inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État pourraient bien ne pas échapper à un procès. Au terme duquel, en cas de condamnation, ils seraient finalement graciés par le président malien de transition, puis renvoyés en Côte d'Ivoire. Une manière pour Bamako, si ce scénario était mis en œuvre, de ne pas donner l'impression de céder aux pressions ivoiriennes et internationales. Ils le feront, mais à leur rythme, analyse une source proche de la médiation, qui tempère, à condition qu'Assimi Goïta respecte ses engagements. Écoutez. Les sources jointes par RFI évoquent aussi une autre complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Libéria et de Sierra. Écoutez bien. RFI dit que plusieurs sources contactées par eux affirment que les soldats qui ont été arrêtés, il y a des Libériens et des Sierra Leonais. On va reprendre. C'est important. La phrase là, ça en dit long. Voilà pourquoi je demande toujours ici, Edith Mama Babo, bonne arrivée. Tous les jours, je dis ici, aux Maliens, au nom et à cause de la manifestation de la vérité, il faut un jugement pour qu'on puisse nous dire ils sont acquittés ou bien ils sont coupables. Au nom de la manifestation de la vérité, il doit être jugé pour que la justice malienne nous dise. Parce qu'il y a des sons d'ombre. C'est important. On va écouter. RFI a enquêté. Il dit selon les sources, plusieurs sources. Il n'a pas dit une source. Il dit plusieurs sources. Les soldats actuellement sont bloqués parce qu'il y a parmi eux des Sierra Leonais et des Libériens. On va écouter RFI de ce matin-là, de ce midi. C'est important. Si vous voyez que Ouattara, demain qu'on le libère, vite fait là, c'est à cause de ça. Il veut cacher leur vraie identité. On écoute. Engagement. Les sources jointes par RFI évoquent aussi une autre complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Libéria et de Sierra Leone. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région intercédant dans ce dossier. Plusieurs sources joué par RFI. Il n'a pas dit une source, il dit plusieurs sources. On a été joué par. Comment tu vas ranger, Ismaël? Plusieurs sources jouées par RFI disent que les soldats là, il y a des Sierra Leonais, il y a des Libériens parmi eux. Voilà pourquoi ça bloque encore. Voilà pourquoi ça bloque, le dossier bloque. Parce que l'appellation mercenaire prend son essence du fait que même s'ils sont ivoiriens,
Ils s'en vont au Mali sans autorisation et autres. Ils sont appelés mercenaires. Mais encore une situation aggravante pour la sous-région, pour la CDAO et pour la Côte d'Ivoire, il y a parmi eux des Libériens et des Sierra Leonais. C'est important. Voilà. Des Libériens, il dit plusieurs sources, c'est important. Donc RFI a enquêté, plusieurs sources l'ont fait, font cas des Libériens. Cher monsieur, ton avis ne compte pas ici. Ton avis compte sur la page de l'espoir des militants du RADP. Ici, là, nous ne sommes pas des abrutis, des moutons pour brouter la désinformation ou bien pondre des urgents pour dire qu'ils ont été libérés. Nous sommes dans le factuel, dans le concret. Et quand ils parlent en français. Et donc, monsieur, va là-bas avec tes camarades de classe, les dromadaires, les chameaux et les moutons, pour ne pas vous amuser dans l'enclos. Ici, là, on a la compréhension, on a la jugeote. C'est important. Alors, on continue. Plusieurs sources. S'il avait dit une source, on allait comprendre. Mais il dit, quand on dit plusieurs, plusieurs commence par deux. Dans l'instant, c'est deux. C'est plusieurs. Alors, s'il avait dit une source, on allait comprendre. Mais plusieurs commence par deux. En français facile. Ce qui veut dire que quoi? RFI a demandé un exemple au Togolais. Et RFI a également demandé un exemple au Sénégalais. Ça veut dire plusieurs sources qui disent que il y a parmi ces personnes-là des Libériens et Sierra Leonéens. On y va. Écoutez. Le feront, mais à leur rythme, analyse une source proche de la médiation. Partagez la vidéo. À condition qu'Assimi Goïta respecte ses engagements. Mm-hmm. Les sources jointes par RFI évoquent aussi une autre complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Libéria et de Sierra Leone. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région, oui, intercédant dans ce dossier. Oui. Un argument balayé par de hauts responsables ivoiriens, au gouvernement et à l'état-major, qui assurent que tous les soldats de l'armée nationale ont la nationalité ivoirienne. Et de conclure, nous restons optimistes, les choses bougent dans le bon sens. Voilà. RFI a parlé, non? Mais pour finir, ils disent quoi? Qu'ils ont interrogé également la Côte d'Ivoire, l'état-major dit non, que ce n'est pas vrai. Mais qui peut croire au propos de ces personnes-là? Qui peut croire dans le dossier des 49 mercenaires, des 46 mercenaires-là? Qui peut croire à la parole de Ouattara? Qui peut croire à la parole des militaires ivoiriens qui ont menti et hontement? Personne ne peut croire. Voici des gens qui envoient des soldats dans un pays sans ordre de mission, avec des armes de guerre, et puis ils mentent sur l'ONU. Ils mentent qu'ils sont partis au nom de l'ONU. L'ONU fait une lettre, une note verbale, disant que c'est faux. Le peuple de l'ONU sort et puis dit non, ce n'est pas vrai. C'est ces personnes-là qu'on va croire? C'est ces menteurs-là qu'on va croire? Ils ont menti à Mondo Vision sur l'ONU ici devant vous tous. Et l'ONU les a mis, n'est-ce pas, à plate couture dans leur mensonge. L'ONU a nié. Jamais on ne les connaît. Mais des gens qui n'ont pas hésité à Mondo Vision en pleine journée, à midi, a accusé l'ONU que les soldats sont de l'ONU. C'est cela qu'on va croire leurs propos, de leur démenti, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ont perdu toute crédibilité dans ce dossier. Ils ont menti de long en large, du début jusqu'à aujourd'hui. Ils ont menti. Ils ont pris les pétards de sang de l'air et dit que ces soldats ne varient. Mais laissez la justice faire son travail. Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous courez? C'est des mercenaires. Merci beaucoup, les barils. Alors, ils disent quoi? On va bisser. Et après, comme ils prétendent qu'il n'y a pas d'étrangers dans la mer ivoirienne, je vais essayer de vous prouver qu'il y a des étrangers dans la mer ivoirienne. J'ai la vidéo et on va écouter ensemble. On y va. Écoutez.
cours, le colonel Assimi Goïta aurait validé le principe d'une libération. Partagé. Mais pas forcément immédiate. Selon ses sources, les 46... Je suis attaqué, et inculpé pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, partagé. Ou bien ne pas échapper à un procès, au terme duquel, en cas de condamnation, il serait finalement gracié par le président malien de transition, puis renvoyé en Côte d'Ivoire. Une manière pour Bamako, si ce scénario était mis en œuvre, de ne pas donner l'impression de céder aux pressions ivoiriennes et internationales. Oui. Ils le feront, mais à leur rythme, analyse une source proche de la médiation, qui tempère, à condition qu'Assimi Goïta respecte ses engagements. Les sources jointes par RFI évoquent aussi une autre complication. Oui. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Libéria et de Sierra Leone. Voilà. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région intercédant dans ce dossier. Un argument balayé par de hauts... Les témoignages, les soldats, les mercenaires qui étaient arrêtés là-bas au Mali, ils ont témoigné. C'est RFI qui les dit. Selon leurs sources. Et depuis le départ dans le dossier là, RFI, vous savez que RFI n'est pas en complaisance avec l'État malien. RFI était chassé du Mali. Sans oublier également, comment dirais-je, France 24. Ils sont plus au Mali. Mais c'est eux qui font l'enquête depuis le début. Ils ont toujours communiqué sur ça. Et nous, ils disent quoi? Selon leurs sources. Et c'est eux qui ont mis à mal également, qui ont mis à nu le mensonge de Dramane Ouattara et son régime. Alors, ils contactent maintenant l'état-major. Écoutez bien. Responsables ivoiriens, au gouvernement et à l'état-major, qui assurent que tous les soldats de l'armée nationale ont la nationalité ivoirienne. Voilà. Et de ils ont contacté l'état-major et le gouvernement. Ils disent que tous les soldats ivoiriens ont la nationalité ivoirienne. Alors, on va écouter une vidéo de Abel Bakayoko. On va l'écouter Abel Bakayoko. Est-ce que tous les soldats ivoiriens ont la nationalité ivoirienne? Est-ce que tous les soldats ivoiriens ont la nationalité ivoirienne? On va l'écouter Abel Bakayoko. C'est important. Partagez. À Pompée. On va écouter Abel Bakayoko. Est-ce que tous les soldats ivoiriens, cher monsieur, cher grand frère, repose en paix. Mon abeille de toi. Parce qu'il faut qu'on parle un peu aux moutons que tu as laissé, n'est-ce pas, ici, la cruse encombre. Les moutons, les ados dromadaires, ados chameaux. Alors, Pompée. On va écouter en bac. Est-ce que dans l'armée ivoirienne, il y a des étrangers ou il n'y en a pas? On va l'écouter. Boumoui, B52, le frapponneur. Adji, on y va. Donc, c'est ce que je peux dire. En tout cas, on veille à la formation, c'est un volet important. Ensuite, la chaîne de commandement, c'est que c'était vraiment. Ah, Fatim, comment tu vas? Essentiel. On va, tu vas où? C'est très important. Et nous avons tout fait pour redonner une place importante dans la chaîne de commandement. Par exemple, on avait une période. Voilà. Ça c'était pendant la crise. Souvenez-vous, ici là, Ambak était à l'Assemblée nationale. On va ici aller à la minute 2. À la minute 2. Écoutez Ambak. Écoutez-le. Les MDS, que ce soit au niveau des forces, à cause de la crise, avaient pris des mauvaises habitudes. Chacun voulait aller directement, d'aucun, chez le président, le ministre, le général. Donc on a essayé vraiment de remettre les choses en place. Quand on veut traiter des questions purement et strictement militaires, on reste dans l'axe et la seule chaîne de commandement qui est unique. Donc voilà ce que je peux dire sur ces questions. Il y a également la question de la nationalité. Oui, on s'est rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, tous les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Donc il y en a qu'on a sorti. Et on a fait un enrôlement biométrique. Ok. Je peux vous dire. Ahmed Bakayoko dit ici qu'ils ont remarqué, ils ont constaté qu'il y a des personnes dans l'armée ivoirienne qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont ivoiriens. On va l'écouter. C'est important. Parce que vous ne pouvez pas nier ça. C'est l'ancien ministre de la Défense qui affirme à l'Assemblée nationale que dans l'armée de Côte d'Ivoire, ils ont remarqué qu'il y a des étrangers à l'intérieur. On va l'écouter. Bande de plaisantins là. Yereba Iye, comment tu vas? Écoutez là, écoutez. Également la question de la nationalité. Oui. On s'est rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que tous les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Voilà. Donc il y en a qu'on a sorti et on a fait un enrôlement biométrique. Voilà. Je peux vous dire. On a remarqué qu'il y en a qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont ivoiriens.
Et il y en a qu'on a sorti. Il dit, il y en a qu'on a sorti. Est-ce que tous ont été extraits de la mer de Côte d'Ivoire? Il dit qu'on a Fatim le Diamant, Ismaël Yeo, gros bisous. Alicia, gros bisous. Est-ce que, quand Ambak dit, est-ce qu'il dit que tout a été expurgé? Non. Non, il ne dit pas ça. Il dit, on a remarqué que dans la mer ivoirienne, il y a des étrangers. Mais vous pouvez créer une légion étrangère, comme ici en France. Mais comment en Côte d'Ivoire, il y a des étrangers, et vous êtes encore dans un déni, alors que c'est de l'autorité publique qu'il y a des étrangers dans l'armée ivoirienne. Et mieux, je vais aller plus loin. Quand la Sœur Ouattara a créé sa rébellion en 2002, cette rébellion était armée, a été entraînée au Burkina Faso. Parce que moi, je ne fais pas de la dentelle. Mon mentor s'appelle Guillaume Soro. Et moi, je n'hésite pas à parler la vérité. Parce que moi, je n'ai pas honte, je n'ai pas de complexe, je ne cache pas la vérité. Non. Nous sommes en face avec la vérité, avec notre histoire. Guillaume Soro a été de la rébellion. Mais moi, je ne cache pas, vous pouvez mon président Guillaume Soro et cacher certaines phrases. Je vais et je dis ce qui est objectif. C'est ça qui fait la différence entre Soule de Paris et vous. Puisque vous pouvez venir ici accabler Guillaume Soro et laisser Ouattara, qui est le père de la rébellion. Mais moi, non. Quand je viens, je donne la part de mon président Guillaume Soro dedans. Et pour Ouattara, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça, n'est-ce pas, la différence entre vous et moi. Alors, on va au Burkina Faso. En 2001, la première attaque de la Mercedes noire, Guillaume Soro était parmi nous. Non. C'est la IB et les autres, les Kone Zakaria, les Cheikh Ousmane, ils sont là, ils sont vivants. Oui, en 2002, le 19 septembre, quand la rébellion de Ouattara a frappé les îles de Babolora, ces soldats sont quittés où? Il y avait des soldats ivoiriens et des étrangers qui ont appuyé cette rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Est-ce que tous ont été ramenés chez eux au Burkina Faso? Non. Non. Ayez le courage d'accepter la vérité. Ayez le courage. Au nom de la vérité, n'ayez pas peur. La rébellion de Ouattara en 2002, elle est venue comment? Elle a quitté où? N'est-ce pas le bouclier qui est une base arrière? Pour vous, le maîtrier là qui parle aujourd'hui là. Vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, Ouattara qui a nourri à hauteur de 25 millions par mois les rebelles au Burkina. Le Burkina est toujours préfecture de la Côte d'Ivoire, ou bien une commune? Non! Vous êtes parti à l'étranger, appuyé par les étrangers, attaquer la Côte d'Ivoire en 2002. Il faut l'assumer! Il faut l'assumer! Parce que vous êtes très mal placé, vous, qui êtes au pouvoir, vous, oui, et le militaire de Ouattara. Vous êtes très mal placé pour parler de probité, ou bien de sécurité, ou bien attaquer le pays. Quand je vois certaines vidéos, non, les opposants veulent se coaliser avec les étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas la Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah bon? Mais vous, qui êtes parti armé des champs, attaquer votre pays, entre vous et moi, qui est bon? Oui, vous, qui soutenez quelqu'un qui a armé une rébellion, qui a nourri la rébellion, qui l'a financée, qui est aujourd'hui au pouvoir, et vous n'avez pas le courage de dire que Ouattara a s'amé dans la rébellion. Mais moi, je le crois de dire que mon mentor a s'amé dedans. Et je le dis avec essence, sans complexe. C'est important. Mais un Ouattara, qui est au pouvoir, lui qui est le père, le vrai visage de la rébellion, qu'en dites-vous de lui? Zéro. Nada. Et c'est vous, c'est Strapontin, c'est Laquais, c'est Pantin, ces zozos, ces bougnoules, ces crétins qui disent non, le président de Côte d'Ivoire va aller coaliser avec les étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ah bon? Fermez-la. Fermez-la. Ici, en bas, on va l'écouter. C'est important. Voilà, on écoute. Strictement militaire, on reste dans l'axe et la seule chaîne de commandement qui est unique. On y va. Donc voilà ce que je peux dire sur ces questions. Oui. Il y a également la question de la nationalité. Oui, on s'est rendu compte qu'avec
la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que tous les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Voilà. Donc, il y en a qu'on a sorti et on a fait un enrôlement biométrique. Voilà. Je peux vous dire. Il y en a qu'on a sorti. Maintenant, si Ambak dit que, il y en a qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont ivoiriens. Mais quand on dit qu'il y a des mercenaires qui sont au Mali, pourquoi vous niez? Pourquoi vous niez? Quand les Maliens disent qu'il y a des mercenaires parmi eux, libériens, et vous-même, à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, Ambak le dit devant vous tous, qu'il y a des étrangers dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais si les Maliens le disent, ce n'est pas faux. Si les Maliens le disent, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, puisque chez nous, on reconnaît. Notre ministre de la Défense même reconnaît. Père son âme, lui-même il reconnaît qu'il y a des étrangers dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous avez nié? Vous n'avez pas nié? Il faut reconnaître qu'il y a des mercenaires. Il y a des libériens et des Sénégalais dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et faire profil bas. Vous, mais qui m'appelle là? Si c'est pour m'envoyer quelque chose, si mon autre numéro, je ne peux pas passer là, je fais le direct ici. Je parle de cocher, je ne peux même pas également parler. Donc, mon 0650, c'est ce qui est devant moi. Donc, si c'est une personne qui me connaît, qui m'envoie un élément, que la personne m'envoie sur mon autre, mon WhatsApp de ma page. Puisque l'autre téléphone est devant moi. Et je vois appel WhatsApp et appel normal. Et donc, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Alors, quand LFI dit ceci, on écoute. Selon plusieurs sources proches de la partie malienne et des médiations en cours, le colonel Assimi Goïta aurait validé le principe d'une libération, mais pas forcément immédiate. Selon ces sources, les 46 soldats ivoiriens toujours détenus à Bamako et inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État pourraient bien ne pas échapper à un procès, au terme duquel, en cas de condamnation, ils seraient finalement graciés par le président malien de transition, puis renvoyés en Côte d'Ivoire. Oui. Une manière pour Bamako, si ce scénario était mis en œuvre, de ne pas donner l'impression de céder aux pressions ivoiriennes et internationales. Oui. Ils le feront, mais à leur rythme, analyse une source proche de la médiation, qui tempère, à condition qu'Assimi Goïta respecte ses engagements. Oui. Les sources jointes par RFI évoquent aussi une autre complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Liberia et de Sierra Leone. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région intercédant dans ce dossier. Voilà. Un argument Merci beaucoup. Maintenant, comment ça a commencé? On va maintenant écouter, frères et sœurs. Comment ça a commencé, Fleur? Il y a quelqu'un gringalé qui est ici, là. Je vais m'en occuper. Ah, laisse, on va le bloquer, dis donc. Idiot de ta race. Voilà. Alors, on va encore écouter, même RFI, là, qui a déconstruit les mensonges. Puisque quand RFI dit plusieurs sources, là, ils savent de quoi ils parlent. Quand RFI dit que plusieurs sources affirme qu'il y a des libériens et c'est la loi dedans, RFI sait de quoi il parle. Puisque il y a eu d'abord, dans le même dossier, le même mensonge qui a été déconstruit par RFI. Alors c'est parti. Alors, il était bi, mon frère. Écoute ici, la première partie, c'est-à-dire là, on écoute ici. Écoutez. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenus bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara. L'ONU, selon LFI, a fouillé tout. Mais Ouattara a fait un conseil national de sécurité. Ils disent non. Les soldats sont de l'ONU. L'ONU dit non, on ne les connaît pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'ils ont pu démontrer à vous, à la face du monde, que les soldats sont de l'ONU? Et donc, dans ce dossier-là, quand nous disons que c'est un dossier qui ne mène pas, qui est judiciarisé, qui doit aller au bout, c'est vrai. Puisque Ouattara a été attrapé la main dans les sacs. Il a été attrapé la main dans les sacs. C'est important. 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. C'est l'affaire là qui est là. On a attrapé la main dans les sacs. Avec ses mercenaires.
c'est Barbouche, c'est Bob Denard qui l'envoie partout pour les déstabiliser. Ils ont été arrêtés, ils ont été attrapés et la rigueur de la loi doit s'appliquer. S'ils sont innocents, ils seront libérés. Mais les tracasseries, lui qui est prompt à condamner déjà 20 ans, 20 ans en Côte d'Ivoire, au nom de la justice, pourquoi actuellement il est friand, pardon, il hésite pour qu'il y ait une clarté? Pourquoi? Qu'est-ce que votre tracasse? Puisque j'ai menti sur l'ONU ici, l'ONU n'a dit jamais de la vie. Quelqu'un qui s'assoit en conseil devant tout le monde, il était bi, mon frère. En plein conseil de sécurité, et il ment sur l'ONU. Mais c'est grave. Ils se réunissent et puis ils ont décrédibilisé la Côte d'Ivoire. Ils ont humilié notre pays. Ils s'asseyent au palais présidentiel et ils font communiquer des mensonges accompagnés de propagandistes, de populistes, de menteurs. Et ils disent que les soldats ont libéré sans délai. Ils sont de l'ONU. Devant tout le monde entier, est-ce que l'ONU a dit oui? Non. Et si maintenant, RFI vient nous dire encore que selon leurs sources, il y a des Libériens et des Sierra Leone, mais on va croire. On va croire. Puisque c'est eux depuis le début, dans ce dossier-là, qui ont enquêté et puis ils ont vu clair dedans. C'est une vérité? On écoute. N'importe quoi. Non, c'est pas vrai. C'est un mercenaire. L'aspect est confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Voilà. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transportées dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CDAO. Karine Auton, New York, RFI. Ok, voici la première sortie de RFI sur le dossier. La première sortie de RFI sur le dossier, c'est ça. Et quand c'est sorti, ils ont commencé à nier. C'est faux, ce n'est pas vrai. Mais maintenant là, il ne parle plus de l'ONU, hein. Didi Conan, Paul Namien. Il ne parle plus de l'ONU. Il parle mal de quoi? Libérez-les, c'est tout. Ça veut dire que maintenant là, l'ONU, NSEO, ils ont tout abandonné, hein. Ils ont tout abandonné. Maintenant, il parle maintenant de libérer-les. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali, Diokouk? C'est ça l'ivoire, parce qu'on n'est pas en sécurité avec Ouattara. Puisque ce monsieur n'est pas les attributs de chef de l'État. Pour aller déstabiliser les pays voisins. Nous, on veut savoir. On n'est pas contre la libération, hein. Mais on veut savoir ce pourquoi ils sont au Mali. C'est important. Parce que ce monsieur met la Côte d'Ivoire en danger. C'est grave ce qui se passe. La Côte d'Ivoire ne devient pas un État voyou. Et quand RFI a fait cette première sortie, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai tout ça dans ma tête. Quand RFI a fait ça, ils ont fait sortir le porte-parole de l'armée pour dire non. Souvenez-vous, quand RFI, quand Karine Auton a fait cette a parlé de si RFI sur le dossier là depuis New York, ils ont fait ce débat, le porte-parole de qui? De l'armée. Pour dire non, que les soldats sont de la NSE. RFI est revenu encore à la charge. On va écouter. C'est important. On a tout le dossier. On y va. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont été dévoilées que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme... Moi, j'ai l'air avec tout mon respect. Maman Douchka, tout mon respect.
On va reprendre, parce que je salue les gens, on va reprendre. Il faut que Assimi Goïta, pour la crédibilité, et nous les Ivoiriens, les patriotes, républicains, nous qui sommes épris de justice et de paix, qui chérissons le calme et le bon voisinage avec nos voisins, on veut que vous nous disiez qu'est-ce que ces personnes sont allées faire en Côte d'Ivoire. On veut la clarté. On ne veut pas de compromission. Non, on veut savoir qu'est-ce que... Parce que notre image, l'image de la Côte d'Ivoire a été ternie dans cette affaire. Donc il est judicieux, Aïcha Koné, plus qu'important que l'on puisse nous dire ces mercenaires qui sont partis là-bas et pour faire quoi? Parce que Ouattara veut faire un coup d'état au Burkina Faso et au Mali. Imaginez-vous, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, si ces personnes avaient pu rentrer au Mali, qu'est-ce qui allait se passer? Non, dites-moi, si ces personnes avaient pu rentrer au Mali, puisqu'ils ne sont pas partis pour l'ONU, ni pour NSE, ils sont partis dans quel but? Il était bien, il faut qu'on voit cela. Ne regardez pas les faits des populistes, des démagogues, qui sont dans une diarrhée verbale de manipulation, non. Mais qu'est-ce qu'ils sont les faits là-bas? C'est ça le vrai point. Le point, c'est ça. Personne n'est d'accord de voir quelqu'un en prison. Non. Même son propre ennemi. Mais ça là, c'est une affaire qu'un État, la Côte d'Ivoire, notre grand pays, notre beau pays, devient un État voyou, un État mercenaire. Envoie des armes dans le pays et puis accuse l'ONU, la NSE, mais ils disent non, on n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qu'ils sont de faire? Que font des Libériens et des Sierra Leoneais avec des pays ivoiriens au Mali? Que fait un Libérien et un Sierra Leoneais avec un pays ivoirien d'un pays, le Mali? C'est ça le problème. Nous, on veut savoir ça. Que font des Libériens sous la bannière du drapeau ivoirien au Mali? On veut savoir ça. On y va. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Adama, on dit quoi ici là? Attends, écoute, Adama, on quoi dit? Il dit quoi là? Attends, il dit quoi? Requête de la Côte d'Ivoire pour déployer... Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Hey, une requête de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas Ouattara qui a dit qu'ils sont de l'ONU. C'est pas eux qui ont dit devant vous tous qu'ils sont de l'ONU. Ferdinand Béda, merci beaucoup. C'est pas eux qui ont dit qu'ils sont de l'ONU. Mais le porte-parole de l'ONU dit quoi? Ils sont pas de l'ONU. Mais même le secrétaire général de l'ONU n'a pas dit qu'ils sont de l'ONU. Hein. Il n'a jamais dit ça. Et mieux, il va loin. Et quand il dit qu'il est de l'ONU, ils disent non. Et après, il dit donc qu'ils sont de NSE. Bon, on va maintenant écouter. Puisque ONU, c'est pas de ONU, et de NSE maintenant, on écoute. Pour déployer des éléments nationaux de soutien à MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. NSE. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous avons bien signé avec la Côte d'Ivoire pour la NSE. Mais depuis la signature, aucun soldat n'est venu là-bas au Mali, n'a été déployé. Mais c'est l'ONU qui l'a dit. C'est tellement simple. Pourquoi l'on veut faire des acrobaties? Un voleur, on l'attrape, la met dans les sacs, mais il va nier. Mais pourquoi, cette fois-ci là, c'est trop flagrant. Et c'est tombé ce qui s'est Assimi Goïta. Assimi Goïta, Assimi, Assimi, Assimi Goïta, Assimi, Assimi,
Assimi Goïta. C'est facile. C'est Tomé si Assimi Goïta. Un, Ouattara, en Côte d'Ivoire, héberge des opposants qui veulent le faire tomber. Qui font des déclarations de prise de pouvoir. Deux, Ouattara, des opposants maliens là-bas, qui sont en contact avec lui pour déstabiliser le Mali. Boubou Cissé. En communication, merci beaucoup Gustave. En communication, Ouattara insulte, il traite les Maliens. Maintenant là, ça tombe sur qui? Assimi Goïta. Assimi Goïta, Assimi. Assimi, Assimi Goïta. Il dit, ça là, il n'y a pas de rouleur dedans. Il dit, l'affaire là, moi j'ai pas clair dedans. En fait, moi je lui donne raison. Parce que, s'il y avait un plan B, un plan de coup d'État, il pourrait abattre Assimi Goïta. L'affaire là, ne voyez pas ça comme ça. Hein. L'affaire là, ne voyez pas ça d'une manière simpliste. Hein. Si ces soldats étaient passés à l'acte, un coup d'État, mais un mercenaire est un homme sans pitié. Un mercenaire est quelqu'un qui est sans pitié. Écrivez ça. Parce que lui, voilà. Soit il reste, soit il vient. Donc il va, c'est pour neutraliser. Il n'est pas dans des bouts d'abou. Donc les Maliens ont raison de voir clair dedans. Même si c'était en Côte d'Ivoire, on allait faire la même chose. C'est important. Ne gaspillez pas vos passes internet pour aller écouter des gens qui mentent à longueur de journée. Ne gaspillez pas vos passes internet. L'affaire là, ils seront jugés. Ils seront jugés au Mali. Maintenant, si la justice dit, bon, il y a 10 qui sont innocents, ils vont partir. Mais ils seront jugés. Maintenant, Assimi Goïta, il peut, comment dirais-je, au nom de ses prérogatives, les gracier s'il le souhaite. Mais libération, parce que l'ONU a parlé. Parce que c'est de la parole. Pourquoi il ne parle plus? Pourquoi la CEDEAO ne parle plus? Pourquoi? Pourquoi la CEDEAO ne parle plus? Ils ont voulu mettre une pression. Mais ils sont partis. Ils ont mis la faute accomplie. Monsieur le président, monsieur Ouattara, on est parti là-bas. Il y a des mercenaires dedans. Il y a des libérés dedans. Il y a des sénateurs dedans. Vous allez voir que, à travers cette déclaration de RFI, là, enquête là, vous allez voir que demain, ça va s'accélérer. Parce que, quand ils disent selon nos sources là, ça veut dire qu'ils ont encore les réserves. Ils ont encore, comme ils ont fait en première position là, ils ont encore des cartouches. Ils ont des preuves qui vont sortir, n'est-ce pas? Ils sortent doucement. Ce n'est pas terminé. L'affaire là, ça veut dire 3 mois aujourd'hui. Si, comme on l'avait préconisé au départ, rentrer dans les fêtières pour aller demander pardon malien, ils ont dit non. Ils ont activé des égarés à Abidjan pour menacer la population malienne, interdire les artistes maliens, comme si c'est eux qui étaient à la base de cela. Ils ont voulu mettre la pression en passant par là. Ils ont voulu jouer, n'est-ce pas, sur la fille patriotique. Ce n'a pas marché. Ils ont voulu jouer sur les émotions. Ce n'a pas marché non plus. Ils ont voulu jouer sur les populistes. Ce n'a pas marché. Parce que les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils savent de quoi Ouattara est capable. C'est un homme qui est machiavélique. Quelqu'un même son... Le pays qui dit que c'est son pays, la Côte d'Ivoire, il n'a pas hésité à faire coup d'état en 99. Je frapperai ce pouvoir, il tombera. Il a fait en Côte d'Ivoire. Il n'a pas hésité à ne pas reconnaître l'élection de Gbagbo en 2000. Il a dit à ses militants, descendez dans la rue, le pouvoir s'y trouve. Alors qu'il n'était pas candidat. Il y a eu des morts. Il n'a pas hésité d'armer une rébellion à cause, parce que lui, on dit qu'il est burkinabé. Est-ce que c'est faux? Non. C'est vrai. Mais il a imposé sa nationalité ivoirienne par les Kalachnikovs, les pistolets et les lance-roquettes. Ouattara a tué pour être ivoirien. Ce qui est paradoxal, c'est cette personne-là qui parle de démocratie et qui parle de coup d'État. Mais Ouattara, il a fait couler sang des Ivoiriens. Mais nous ne sommes pas séniles. Ouattara pour être ivoirien, pour être candidat, mais il a tué des milliers d'Ivoiriens. Il était sans pitié pour ce pays. Pour nos frères et sœurs, le boucher de la dune. Mais il n'a pas pitié des Maliens.
C'est ce monsieur-là, quand on le parle aujourd'hui comme un homme de paix, quelqu'un qui a défiguré la Côte d'Ivoire, qui a empêché le régime de diriger tranquillement, Bagbo et Bédié, il a installé la chienlit, l'instabilité, la bouillabaisse en Côte d'Ivoire, c'est lui, hein. De quoi parle l'auteur? C'est ce monsieur qui se tague, qui se met un costume, qui est plus grand que lui, d'homme de paix. Mais c'est un homme, n'est pas de la chienlit, de la déstabilisation. Il n'est pas un homme à conseiller en la matière. Il a traumatisé les Ivoiriens depuis la mort du fouet. C'est lui, voilà, on veut nous vendre ce monsieur qui ne le connaît pas. Même un embryon connaît Ouattara. Un fœtus connaît Ouattara. C'est Machiavel. Assimi Goïta a raison. Mais ce monsieur est un poussiste congénital, notoire. C'est ce monsieur-là qui envoie des mercenaires en Mali et on trouve des gens à Alassane Ouattara. Quel président Ouattara? Merci beaucoup, Salem, pour les étoiles, merci beaucoup. Quel président Ouattara? Lui qui a empêché les autres de diriger la Côte d'Ivoire paisiblement? Puisque, dites-moi, quel pays peut être dirigé, n'est-ce pas? Quel investisseur peut venir dans un pays instable? Quelqu'un qui a régné sa nationalité, lui, Ouattara. Qui réunit le pays de son père et de sa mère. Qui réunit ses parents au Burkina. Et il s'impose en Côte d'Ivoire comme étant ivoirien. Au prix du sang des Ivoiriens. Au prix de la destruction des vies. Des gens ont perdu la vie. D'autres ont tout perdu à cause de lui, Ouattara. Et on nous parle de quoi? Nous ne sommes pas des arrivistes. On n'est pas des dernières pluies. On connaît son CV climatique. Meurtrier, sanguinaire, mortifère. On le connaît. Il a un CV climatique, oui. Pas d'économiste. Mais des rebelles, d'assassins, des criminels. Les tombes par milliers. Des femmes, des enfants qui ont perdu leur vie. Des vies gâchées par Ouattara. De quoi parle l'auteur? C'est ce monsieur qu'on veut nous vendre comme étant un homme de paix. Lui qui a défiguré notre pays. Qui a mis notre pays en chaîne économiquement parlant. Qui a retardé l'évolution de notre pays. À cause de sa nationalité, il a retardé l'évolution de mon pays. Mon beau pays, la Côte d'Ivoire. On nous parle de goudons et de ponts. Il a retardé l'avancée de la Côte d'Ivoire. Retardé le projet. C'est lui Ouattara? Non. Il n'est pas un modèle. Il ne sera pas un modèle, sauf pour les moutons, les cabris et les boucs. Il ne sera pas un modèle, seul pour les chèvres, les dromadaires et les chameaux, les porcs et les autres. Il n'est pas un modèle en la matière. Ces mercenaires qui envoient Mali, qui se démerdent, aucun Ivoirien ne va s'associer, n'est-ce pas, aux aventures de Ouattara, aux campagnes de déstabilisation de Ouattara. Jamais aucun Ivoirien dit de ce nom ne va défendre le faux, la manipulation. Jamais un fils qui a connu, qui voit la Côte d'Ivoire depuis que ce monsieur a mis les pieds à ce pays, il a mis ce pays en chez nous, ne peut pas embrasser Ouattara, ne peut pas le faire. Depuis qu'il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, la douleur, le malheur, la souffrance, la mort, vous le savez, et personne ne doit vous le dire. Vous êtes témoin des faits. Vous êtes témoin. Ne vous laissez pas distraire. Vous êtes témoin. Vos proches, vos camarades, vos amis, c'est tout perdu à cause de ce monsieur. Rien ne sera pas tronqué. Rien. Nous sommes le concierge de l'histoire. Nous allons conserver par la vérité au nom de la prospérité. À tout à l'heure, sur les paris. Merci.